qu'il y enlève le microphone, hein. Dis-moi, je combine lui. Il enlève le microphone avec Gennaro. Ok, je combine lui. Que tu discutes avec moi. Tu regardes la télécaméra de là. Hein, Sonia. Hein. Le problème, Jacomine lui. Non, je disais, la télé, la caméra, tu commences à le microphone. Hein. Laisse tomber ce idiot-là. Il a voulu venir. Cet idiote. Alors, 10 minutes en français, 10 minutes en italien. 10 minutes en français et 10 minutes en italien. Ok. Ouais. Là, on va commencer, hein. Et toi, tu te tais. Bonjour, Giacominelli. Bonjour, Alain. Qui est à côté de toi? Et ici, il y a Gennaro à côté de moi. Ainsi, Philippe, laissez-le faire, hein. Concentrez-vous vers moi, hein. Parce qu'avec celui-là, on lui a enlevé le microphone, pas de problème, hein. On parle des jeunes. Donc, nous avons parlé, oui, de la dernière fois. Inutile que tu fais le croix avec moi. Hein? Alors, et tu te tais vraiment, je te le dis, moi. Alors, on a parlé du jeune de l'autre vidéo, oui. Oui, je me rappelle bien. Et on avait dit que le problème du jeune, ce serait, tu finis de faire le pitre. Hein? Mais est-ce qu'on est en onde? On est en enregistrement. Ah non, on n'est pas en onde. Julien, pourquoi? Parce que là, j'entends Alain. Gennaro. Ah, vous êtes préparé avec Gennaro. Ah oui. Ça, c'est la première fois qu'il vient, on ne sait pas comment il se comporte, oui. Ah oui. Oui, on ne sait jamais avec Gennaro. Ah, ah oui, parce que je t'ai dit, c'est un phénomène. Donc, on fait une pas directe, pratiquement, nous faisons une vidéo qui sera transmise dans quelques mois plus tard. Quelques jours plus tard. Donc tu peux même couper certains morceaux, donc je pense que tu peux aussi les couper. Si on veut. Hein? Hein, je pense. Juliano. Ok, alors si oui, on est en direct, mais on est. Tu regardes la caméra. On est en direct, mais on n'est pas en direct. Hein, Sonia, c'est compris. Oui. Ok, on va essayer. Hein. Alors oui, les jeunes, le problème d'aujourd'hui, les jeunes, il faut savoir que les jeunes d'avant ne sont plus les jeunes d'aujourd'hui. Ce qu'on disait à nous, à nos pères et nos frères et nos sœurs, la même chose. Mais aujourd'hui, il y a un système qui est beaucoup changé. Hein, malheureusement, c'est comme ça. Ben, ça va finir très mal, tout ça. Hein, ça va finir très mal parce que... Je te dis d'arrêter de faire tes conneries. Hein, tu commences vraiment à me péter des trucs là. Hein. C'est un truc incroyable. Il est là à faire le pitre. On ne pourra jamais faire quelque chose avec cette figure-là qui vraiment elle dérange tout le monde. Hein. Ah, tu peux regarder la lune. Tu peux regarder les étoiles aussi, hein, je te le dis. Hein. Là, tu es en train de foutre tout en l'air, là. Tu es tout en train de foutre en l'air. Hein, 10 minutes de là, 10 minutes de lui, c'est pas possible. Hein, Sonia, je sais toi qui te mets à rire, Sonia, mais moi, je me mets pas à rire, hein, parce que je sens que ça va tout se foutre en l'air. Tout. Et toi, tu laisses le petit enfant qui te regarde. Tu regardes parce que tu as une figure là, je ne sais pas de comment où elle est faite, cette figure la tienne là. Hein, c'est pas la peine que tu joues avec ton bâton. Ouais, t'as bien compris, je t'ai dit de regarder la télécaméra, pas les jeunes. Hein, est-ce qu'on se comprend, hein? C'est pire qu'un enfant, hein. Je te dis, c'est pire qu'un enfant. L'abus ne fait pas de moine, vous avez bien vu, hein. C'est Eder Guevara, il joue encore avec son bâton. Toujours avec son bâton, là, tu vas bientôt le foutre dans ma gueule. On va passer en italien, non? Alors, tu sais, région, on est que la technologie a sostituito. Adesso c'è un personale in banca, prima ce n'erano 3, 4, 5. Voi eh? Dovete fare tutto voi e il costo del conto in banca ti dite di essere 30, siamo in discutere. E quando voi con questa capo dovete
fare tutto, deve punire quando lo Stato dice no, tu non puoi lavorare in nero, se tu non puoi lavorare in nero, te dite le gradinate, mi fa un po' coglione, mi fa un po' coglione. Allora, si dice che con questa carta è un obbligo. Cioè io ti do una carta, in questa carta c'hai dei soldi, se ti becco a lavorare in nero e tu prendi questa carta qui dei soldi e tu l'avevi buttata, tu hai la galera qua e vai a lavorare gratis in fondo, non so dove ma in fondo, così tu impari la lezione. Sì, ti fa male, ti piacerebbe in fondo, perché tu quando senti il fondo, svegli lontano il fondo della mina, sali più il fondo della mina, state prima, eh? E ti prima regardi ai tessini di zero, eh? Oui, mi puoi guardare con segno, eh? Sto di ma, la manera. Voi non te ne parli, voi non lo sentite, ma io lo sento. Allora ci diremo, ti mi fai che di connerie, che di connerie, vediamo che puoi coprire questa coppa, Giuliano, questa coppa, voilà, lasciate salire il segnale, e in esperando di se ritrovare alla prossima video, ok. Beh, je crois que ça allait mal à cause de toi, hein. Ah, je te dis que ça allait mal. Aujourd'hui, toi, elle est mal, mais mal, vraiment mal, hein. Ah, tu peux maintenant dormir comme un couillon, hein. Moi, je te le dis, hein, tu peux dormir comme un couillon. Tu m'as foutu au l'air de nouveau, hein. Moi, je comprends pas pourquoi tu es venu avec moi, j'arrive pas à comprendre ces conneries là. Hein? Si tu t'ennuies, hein, tu restes chez toi à la maison, ou tu rentres directement chez toi à la maison. Déjà, tu m'as fait chier avec tes prières. Oui, tu m'as fait chier avec tes prières, tu peux dire ce que tu veux. Non, non, tu me fais te fuir là, la con, là, avec ton tatouage, là, la con. Hein? Et c'est foutu en l'air. Hein? Maintenant, on va écouter ce qu'ils disent au bureau. Ouais, et tais-toi ta tête, hein? Tais-toi ta tête, tu peux le faire, imbécile. Hein? Rien, j'ai combiné, tout est à repère. C'est allé en mal, hein? Tout est à repère. C'est allé en mal. Hein? Quand vous me faites venir avec cet idiot-là, hein? T'es sûr que 99% cet idiot-là, c'est tout foutu en l'air. Hein? Voilà. Et je vais dire pour l'échec. Pas rien du tout, hein? Ben non, tu me donnes quand même quelque chose, hein? Parce que j'ai dû venir. Hein? Mais t'as comment quelque chose, hein? D'autres, comment que venir et quoi? Hein? À faire un caca, hein, c'est ça le problème, hein? Oui, hein, parce qu'il faut manger quand même, hein. Hein? Oui, je t'ai dit que des conneries, et aujourd'hui il n'y a que des conneries, hein. C'est un truc incroyable, mais tu te rends compte, ça doit recommencer tout ça, ça fait déjà la deuxième partie en 20 minutes, payer seulement 20 minutes à 10 et 10, et je dois faire 40 minutes pour payer 10 et 10, et non, ça va pas, on fait un autre jour, hein. Hein, je sais que ça te fait chier, mais ça fait plus chier à moi, hein, parce que moi je suis dans mon repos aujourd'hui, hein. Cet idiot, il se repose déjà à toutes les heures, par le soir, hein, quand il doit faire ses prières, là, avec ses conneries. Non, là, je suis vraiment énervé. Parce que c'était peut-être bien parti à cause, mais après ça a commencé ce téléphone-là. Et maintenant, ça commence avec ce couillon-là, et non, il faut faire une solution, Giuliano. Il faut faire une solution, que una soluzione, che possiamo farlo senza questo individuo. E adesso c'è anche quello per quello c'è, no? Il couillon-là qui fait ses conneries. Un bon laser, faites-le, foutez bien un laser, c'est ce pigeon-là, c'est ce concours-là, et c'est fini. Hein. Non, mais c'est vraiment un truc. Vous devez démonter les studios. Hein, oui. Hein, vous devez démonter les studios. Oui. C'est là. Mais il est vivant ou il n'est pas encore vivant? Imbécile. Ah.
ce qu'il dort. Et il se tient la tête avec ses bidules-là, là, ses bidules-là. Voilà, il a déjà tout préparé. Hein? Mais lui, il disait... Lui, c'est... Oh, t'es connu, là, t'as fini. Oui, 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 tu sais que t'as fini. Tu vraiment, tu me fais venir. Hein? T'as foutu tout en l'air. Hein? Tout t'as foutu en l'air. Ah, t'es prêt, oui, tu regardes, j'en ai rien à foutre que tu me regardes, vraiment, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Quand je pense que j'ai mis 10 minutes, 20 minutes pour rien, et toi, t'es démarré tes conneries, là. Tu me fais venir mal à la tête, déjà, hein, hein. Arrête, vraiment du n'importe quoi, tu peux pas te tenir une fois en règle. Une seule fois, je te demande de te tenir en règle. Hein. Oui, tu peux faire tes études. Ne me fais pas faire des choses que je voudrais pas faire à la télécaméra. Eh oui, ton cul, oui, tu te fous dans les culs, tu comprends, tu t'arrêtes et c'est tout. Ah, ah ouais. Non mais... Ça, tu le mets à ta maman, là, hein. Et c'est à cause de toi, les trucs, là, c'est pas à cause de moi. Hein? Hein? Oui, c'est à cause de toi. Et ta foi, tu t'as fous dans ton... De là, je pense, moi, du animal, là. Hein? Il ouvre encore sa gueule avec toi, ce... Giuliano. Il a encore le courage, hein. Je te dis. Hein, il faut que je me relâche un peu parce que sinon je vais le tuer. Non, je vais le tuer parce que là vraiment, hein, tu sais, hein. Quelle heure il est. Il parle. C'est pas quoi, voilà. Là, ça commence une crise à moi aussi, hein, ça commence. Hein. Ah, ça, c'est le type d'herbe. Ça, c'est le type d'herbe.